va accueillir sur ce plateau Géraldine Ganvo de chez Dassault Systèmes. Et puis je pense que Benjamin va me rejoindre pour cette interview. Installez-vous, Géraldine, bienvenue. Prenez votre micro, voilà le verre. Mettez-le bien sous le menton pour qu'on vous entende. Bienvenue. Les tabourets ont été écartés. Les tabourets, un peu. Oui. Bonjour Géraldine. Les gens ne respectent rien. Bienvenue. Merci. Plateau de Watch. Merci beaucoup. Ici au CES. Ça va Alex ? Ça va, on tient le coup. Ça commence à peine. Tu tiens la boutique, hein, oui. C'est bien. Je suis encore frais, profitez-en, ça ne va pas durer. Bon, ça fait deux heures hein, qu'on a commencé. Waouh, vous avez l'air d'être frais pourtant. Il en reste 22. On va y arriver. Géraldine, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous Dassault Systèmes parce que vous êtes l'un de nos partenaires pour ce marathon de direct ici au CES. On est très heureux de faire cette opération, notamment avec vous. Dassault Systèmes, le 3D Experience Lab, cet accélérateur de start-up que moi j'ai découvert hein, parce que je ne connaissais pas la richesse des jeunes pousses que vous accompagnez. Assez impressionnant. Alors on va recevoir trois d'entre elles pendant ces 24 heures, Alex. Peut-être qu'on peut parler déjà de votre programme, de votre intérêt pour les startups et de la raison de votre présence ici à Vegas. Bien sûr. Écoutez, en fait, le 3D Experience Lab est un laboratoire d'open innovation et un programme d'accélération pour des innovations complètement disruptives. Donc on a créé ce laboratoire il y a maintenant 3 ans et c'est une véritable richesse qu'on offre aux startups. Alors ces startups, elles ont 3 critères pour pouvoir entrer en fait, au 3D Experience Lab. Non, elles doivent être avant tout en fait, des technologies disruptives qui transforment. Ça c'est vaste de parler de technologies disruptives, mais on va y revenir. C'est ça ? Alors ouais. Surprendre et surtout en fait complètement innover, être en avance de phase ouais. sur le marché. D'accord. Apporter vraiment... un vrai changement. C'est ça. Alors oui, ça le deuxième critère, c'est de faire appel à l'intelligence collective. D'accord. Donc c'est d'avoir travaillé ensemble de manière collaborative sur une même plateforme. Et le troisième critère, c'est de devoir transformer la société de manière positive. Oui, on veut des projets qui puissent changer le monde et qui puissent surtout apporter un bien-être, un bénéfice pour le consommateur et pour en fait, les gens en règle générale. Alors, 3 ans d'existence pour ce lab, Alex. Des critères donc, de sélection assez draconiens, parce que je crois que vous recevez beaucoup. On reçoit beaucoup de candidatures, ouais. En effet, via notre site internet, mais également en source. Au travers le monde, en fait. On va à la recherche. On a chez Dassault Systèmes plus de 16 000 collaborateurs. Ouais. Et ils sont tous, en fait, des innovateurs en puissance. Donc, chacun dans leur pays, bah, ils identifient des startups. D'accord. Donc, tous les collaborateurs de Dassault Systèmes sont impliqués dans la recherche de ces nouveaux talents. C'est exactement, ça que vous êtes en train de. Exactement. En fait, chez Dassault Systèmes, on a une plateforme collaborative qui ouais. est la 3D Experience Platform. Et sur cette plateforme, bah, tout le monde est capable de pouvoir, en fait, nous. Partager les innovations qu'ils ont en local. Donc on a évidemment des bureaux, on a 170 bureaux dans le monde, ouais. ce qui veut dire qu'on est aussi bien présent en Asie, en Europe qu'aux États-Unis et en Afrique du Sud également. Et évidemment, ces collaborateurs peuvent très très bien voir détecter en local ces innovations et nous remonter ces informations sur notre plateforme. Et après, il y a des experts qui vont ensemble pouvoir identifier si la technologie est particulièrement disruptive, si elle transforme la société. Et après, une fois par trimestre, on a un comité de sélection au cours duquel on va choisir 4 voire 5 startups qui seront éligibles et qui vont pouvoir rentrer dans le programme. Alors, ces startups, vous les choisissez, vous les sélectionnez. Et ensuite, avec elles, quel est le processus? Vous les accompagnez et une fois qu'elles sont capables de voler de leurs propres ailes, vous les relâchez entre guillemets? Ou comment ça se passe? C'est quoi le processus du début un petit peu jusqu'à la fin? Ouais, le chemin. Alors une fois qu'elles sont en fait validées pour rentrer ouais. dans le programme du lab, pendant 2 ans, nous allons en fait leur fournir nos solutions, la plateforme on the cloud, et avec l'ensemble des solutions d'Dassault Systèmes, c'est-à-dire des solutions. Vous avez tous les outils de modélisation. Voilà, hein, des modélisations 3D. Donc, pour du design. Vous êtes spécialiste de l'image, on peut le rappeler quand même. Alors, pas que de l'image. Pas que de l'image, de la conception. De la conception, voilà. De la conception. Donc, on a des logiciels pour faire de la modélisation 3D. Donc, vous connaissez probablement SolidWorks et CATIA. Ouais. Et puis, nous avons également des logiciels pour du manufacturing, des logiciels pour de la simulation, des logiciels pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, du data science. Donc on a pléthore en effet de solutions, mais qui sont à chaque fois bien pointues, chacune dans leur domaine,
pour pouvoir en fait accélérer leur business. Alors 25 startups aujourd'hui dans l'accélérateur. Il y en a 3 qui sont ici avec vous à Vegas. On va les recevoir d'ailleurs dans ces 24 heures sur Watch. Peut-être que vous pouvez nous donner un petit apéritif, nous faire envie avec leur raison d'être. Alors oui, l'année dernière, on avait emmené près d'une dizaine de startups au CES. Cette année, on a décidé en fait d'être à l'Eureka Park et d'en juste emmener... Juste en dessous, hein. Voilà, exactement, juste en dessous. Et de pouvoir emmener 3 startups qui sont chacune très pointues dans leur domaine. Une qui est dans la mobilité, mobilité pour tous. Alors, il ne s'agit pas d'une voiture, hein. Il s'agit là, en fait, d'une chaise roulante qui est à position verticale. Donc, c'est extrêmement innovant et qui est faite non pas uniquement pour des personnes qui ont des problèmes en fait, de handicap, hein, mais pour des personnes qui veulent, en fait, utiliser un nouvel outil de mobilité. Donc, c'est extrêmement innovant. Parce qu'elle fonctionne à la fois... L'étape assise, sous forme assise, exactement, hein, et verticale. Donc, imaginez un travailleur qui a en fait une épreuve assez complexe et répétitive tout au long d'une journée. Il peut utiliser en fait cette nouveau device en fait de mobilité. Donc, c'est Girolift. Il s'agit de Girolift, tout à fait. On a une deuxième startup qui s'appelle Exactcure. Exactcure, en fait, il s'agit de l'intelligence artificielle appliquée pour la santé. Et là, en fait, cette start-up a une application qui va vous permettre en fait, de vous aider au quotidien dans la prise de vos médicaments. Et qui va pouvoir en fait, vous aider à définir si oui ou non il y a bonne interaction entre les médicaments. Oui, on peut anticiper l'impact du médicament sur son propre organisme. Exactement, exactement. Donc là, on est à l'étape moléculaire. Il s'agit d'Exactcure. Je crois qu'ils ont été choisis par la NASA. Exactement. Pour pitcher, fait partie des 10 startups. Hein. Tout à fait, tout à fait. Assez étonnant. Et puis, nous avons une troisième startup qui s'appelle Zero to Infinity. Oh, j'adore. Ouais. Là, on part dans les étoiles. Dans les étoiles. Et c'est une startup qui a en fait un lanceur qui est éco-design, éco-conçu et qui est surtout en fait hyper économique. C'est un ballon, hein, c'est ça. Ouais. Alors voilà, il s'agit d'un ballon qui va vous envoyer en fait dans l'espace des micro-satellites en constellation pour pouvoir mieux connecter le monde. On n'imagine pas qu'une start-up, une jeune boîte, peut quelque part concurrencer la NASA ou Ariane Espace, mais pourtant c'est peut-être en voyant Jérôme Baumgartner monter dans l'espace qu'ils ont eu l'idée, qui sait. Ouais, c'est vraiment un très beau projet. Ouais. C'est une start-up espagnole qui vraiment aujourd'hui est en train de révolutionner le monde en fait de l'accès à l'espace.